On est parti pour un BO5 entre Parting et Probe. On est dans le cadre de l'EGC TV Stormgate Open, tournoi ouvert. Et bien, globalement, les meilleurs joueurs du jeu qui sont dessus actuellement. Parting qui est probablement, même certainement, le meilleur joueur du jeu. Pour vous donner un ordre d'idée, Parting est, je crois, à un taux de victoire de l'ordre de 96 ou 97%. C'est-à-dire qu'il est autour de 210 ou 220 wins pour genre 11 ou 12 défaites. C'est juste irréel. Probe, je crois qu'il doit être 10e du jeu, un truc du genre. Ça reste quand même un excellent joueur. Du coup, quand même un joueur à connaître. Et il faut voir un petit peu ce qu'il va nous faire. Parting qui apparaît en bas à gauche en Vanguard bleu. Probe en haut à droite en... J'ai dit Vanguard, c'est Infernal, bien sûr, je suis désolé. Et Probe qui apparaît en haut à droite en Vanguard rouge. Pour information, on est en train de caster ça, c'est casté en live, on en est à peu près, 5 ou 6 heures de cast. Du coup, les petites erreurs comme ça peuvent arriver, mais je les corrige tout de suite. On a une expand first qui est faite de la part de Parting. Et derrière, qu'est-ce qu'on va avoir côté de Parting, de Probe, de l'autre côté, côté Parting, on a ouverture conclave. Alors, j'ai l'impression que il va nous faire un opening double conclave. Ça ressemble vraiment à ça. Côté Parting. C'est le BO à la mode. On va voir derrière. Alors, un autre bâtiment a été posé pour Parting. Tac, c'est double conclave. Donc ok, double conclave. 3 workers au Terrium. Ce qui est un peu étonnant à la limite. On tente de mettre la pression. On va avoir Parting qui va se mettre entre ces bâtiments. Voilà, pour pas être trop gêné. Voilà, ça permet d'éviter de se faire trop encercler en cas de problème, c'est pas mal. On a du côté de Probe un deuxième. Le premier baraquement qui est posé un petit peu en avant. Et on va voir à quel timing ça part sur de la B3, etc. En tout cas, Parting qui est en train de charger un petit peu le Terrium. On est à 4 workers dessus. On a 3 Gaunt. Et je pense qu'on va commencer à aller chercher les creeps tranquillement, sereinement, et on va voir un petit peu ce qu'on fait avec tout ça. Normalement, ça devrait aller directement sur le camp de ressources, puis le camp de vitesse en haut à gauche, puis le camp de vision. La raison est simple, accumuler des fiends, et ils font exactement l'opposé de ce que je vous dis. Il est en train d'aller à droite, directement pour les camps de creep. C'est assez étonnant. En général, on fait plutôt ceux de gauche. Mais à la limite, why not, hein, à la limite, pourquoi pas. Hein. Ça change vraiment pas grand-chose dans les faits, hein, de faire les choses comme ça. Quoi qu'il en soit, les camps de creep, c'est une importance capitale quand on fait ce type d'open, puisque ça permet de générer des ressources et de générer un petit peu d'armée avec les fiends, vu qu'on est en Infernal, côté Parting. Et côté probe, on va aller sur... j'ai l'impression que ça commence à partir sur la bioball. Ça serait pas trop étonnant. Donc bioball, c'est sous-entendu des unités biologiques, des lanceurs et également des exos entre guillemets. Ok, est-ce que Parting va tenter une attaque? Apparemment Parting aime bien quand même les petites zinzineries, aime bien les pressions. On va voir un peu. Ok, camp ressources. Alors c'est assez étonnant parce que Probe, il a un style beaucoup plus pression que les autres joueurs. Et yes, ok, qu'est-ce qu'il fait Parting? Ah oui, Parting part du principe qu'il va... Ah oui, il veut dropper juste derrière. Ah, il a pas le temps, hein. Il a pas le temps Parting, hein. Ah, c'est un autre délire, il a vraiment pas le temps le gars. Ah ouais, c'est giga chaud. Ok, il tente de mettre la pression. Compliqué après de la choper du worker. Mais à la limite ça peut, hein. À la limite, ça peut. Hein. En vrai, ça peut. Hein. Il pourrait tout à fait choper du worker. Hein. Ça lui force un micro, ça le force à faire des erreurs. Et du coup, yes. Ah, la belle remontée, là. Ok, on chope un. Peut-être un. Un. Non, il ne chope pas. C'est tellement dommage. La réparation qui est vraiment over strong dans cette situation. En plus, de toute façon, je crois que la réparation, elle doit être aussi vitesse x2 quand tu es en charge. Enfin, vraiment, c'est compliqué de gérer ce type de situation. Mais il faut essayer de faire du dégât. On continue. On voit que Parting, il pose une B3. Il continue à dropper avec son Doombringer.
Côté probe, on a mis des tourelles dans chaque base. On a Biokinetics. Donc là, ça va sans doute aller sur du Lancer plus de l'Exo. Peut-être même. Oh, la petite pression. Oh, la petite pression. Ça, c'est rigolo, ça. Oh, c'est rigolo. C'est étonnant. C'est plus étonnant que rigolo. Mais c'est vrai que c'est pas le truc le plus courant, là, ce qui vient de se passer. Ok, on va redropper. On essaie de choper du worker. Un worker. Dommage. Dommage, j'aurais pu en choper deux. Je pense qu'il aurait pu en choper deux. Mais bon. Oh là 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 là, quel enfer, quel enfer. Quel enfer la situation. Ah, il peut pas miner à 12 workers. Il peut pas miner à 12. Et puis en plus, il peut se barrer instantanément quand il veut. Ouais. Et il le fait. Il le fait. Et il va redropper. Oh là 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 là, quel enfer. Vraiment, t'as pas envie de l'affronter, Parsing. Hein. Oh là là. Sixième minute. Allez, on passe féodal. Ok, ça troll au 4. Ouais, bah oui. Mais là, là, la game est très très chaude. Hein. La game est très très chaude. Enfin, en fait, c'est pas tant que c'est chaud, mais c'est que Parting est réellement violent. Hein. Enfin, je veux dire, la pression qu'il te met, mec. Enfin, on se rend pas compte. On se dit, ouais, c'est bon. Pourquoi il y a tous les workers? Attendez, pourquoi il y a... Non, 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 il va faire péter ses workers. Non, non, il va pas faire ça. Parting qui va faire péter ses workers. Oh le troll, oh le troll, oh le troll. Non, non. S'il le fait, j'y crois pas. S'il le fait, il le fait, il le fait. Il le fait. C'est quoi cette merde? Faire. Après, je suis pas sûr que ce soit hyper efficace, mais c'est marrant. Je sais pas si c'est hyper efficace, mais il a fait un imp rush. Bordel de merde. Quoi? Il a fait. Bon, ok, il a fait un imp. J'avais jamais vu. Bah, GG, hein. écoute, GG, mon gars. Ouais, GG, hein. Waouh. Oh. C'était quoi ça? Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est un autre level, ça. Bah, c'est zinzin, quoi. Faut être confiant pour faire ça. Hein. Les imps, ça coûte pas cher à faire. Ça coûte... Oui, non, mais... Oui, non, mais oui, mais... Oui. enfin, ça coûte quand même... C'est 15 de terrain pour les faire péter. Non, mais je suis d'accord que c'est pas cher. Mais de là à all-in avec des imps, à dire vas-y, je prends tous mes imps, j'y vais. C'est l'aventure, hein. D'où les 4 workers sur le terrain au début. Ouais, je sais pas si c'est ça qui change beaucoup les choses. Faudrait étudier le BO en détail, hein, mais. Ouais. Il l'a démoli, hein. Oh, il a fracassé en deux. il a brisé, hein. C'est vrai qu'il a brisé, hein. Ouais, bah c'était pas... c'était pas très Charlie ce qui s'est passé. Pas très très Charlie. Écoutez, on est parti pour la game numéro 2. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau. Pouh là 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 là. Ouais, game numéro 2 ça va partir. On t'a parlé de Parting, première game que je vois de lui violent. Bah Parting... Parting est connu sur SC2 pour être d'une violence inouïe. Hein. Ta Chine, je vais te démonter. C'est quoi ce photo que tu m'as envoyé? Bah, Parting est connu pour être. Ouais, est connu pour être d'une violence folle en fait. Parting, c'est un. Il est bon en macro game, mais il est particulièrement bien en BO troll en fait. Il est très bon en BO en fait. Il est très très bon en BO pour moi. Et vous savez quoi, on est parti pour justement la fameuse game numéro 2, Parting contre Probe. On est parti, on a en bas à gauche Probe qui apparaît en Vanguard bleu, en haut à droite on a Parting qui apparaît en Infernal rouge, qui ouvre sur un petit open conclave. Un petit open conclave.
Mais en fait, ouais, Parting, ce qui fait peur, c'est qu'il est inattendu, quoi. Il peut te faire toutes les dingueries du monde. Il est capable de toutes les dingueries du monde. Et il est très précis. Et enfin, il a peut-être son défaut, c'est qu'il va être moins performant sur du très 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 classique. Mais voilà quoi, Open Conclave. Oui, bon après Open Conclave, de toute façon, Open Conclave, de toute façon, c'est un peu de toute façon l'open affaire. Hein. Là-dessus, il n'y a pas trop de doute. Le Conclave, c'est vraiment l'open que tout le monde fait. Donc j'avoue que je suis assez étonné que les Open Iron Vault n'existent plus, entre guillemets. Moi je fais encore des Open Iron Vault, j'aime bien ça, mais bon, j'ai l'impression que c'est de moins en moins méta, et ouais, voilà. On va tenter une B2, chose qui est assez rigolote, c'est que la B2 a pas du tout été empêchée par Probe. Probe qui d'ailleurs, lui, a Expand First, mais bon, tous les Vanguard Expand First. Au-delà d'être étonné et déçu même. Zéro brut. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent comme ça, qui jouent zéro brut. C'est surprenant. Mais surprenamment, ça marche. Ce qui est peut-être encore plus surprenant d'ailleurs. Ça, voilà, c'est... Ouais, je sais pas. Étonnamment, ça marche bien. C'est des choses que je n'arrive toujours pas à expliquer. Non mais en fait les Gaunt en soi sont suffisants si t'as la bonne micro. En fait Gaunt va être nul si tu micro mal. C'est vraiment ça. Gaunt c'est nul si tu micro mal. Le problème c'est que... Ou le problème, non, c'est pas un problème. Mais dans leur situation c'est pas des gens qui micro mal. C'est-à-dire que la micro n'est même pas une question. C'est comme je disais tout à l'heure, bah oui regardez quand même la compo d'armée. Elle fait appel à de la... Entre guillemets à du Magmadon, à du... à de la micro de drop. À d'autres moves de micro, et en fait, je disais, bah ouais, mais vous voyez, c'est pas si simple que ça à faire. La réalité est complètement différente. C'est qu'en fait, pour nous, c'est pas simple à faire, mais pour des joueurs de ce niveau-là, faire ça ou faire juste du 10 run, c'est pas non plus sensationnellement difficile. Vous voyez ce que je veux dire? En vrai, avec des brutes que tu divises, tu peux mettre une grosse pression early. Ouais, mais alors, tu te rends pas compte que, au final, cette pression-là, une brute, c'est plus comme avant. Avant, une brute, c'était 100 de luminite, maintenant, c'est 150. La luminite, c'est précieux, maintenant. Il est là, le problème. C'est que maintenant, t'as augmenté la préciosité, on peut dire ça, côté précieux d'une unité, quoi. Tout simplement. Donc, l'utiliser pour juste la faire péter, bon, en early, c'est chiant. 7 workers sur le Therium, hein, quand même. Hein. Juste comme ça. Hein. 7 workers sur le Therium. Mais j'ai l'impression qu'il va nous refaire le même BO. Oh, par contre, là, cette fois, ça va jouer sur la petite voiture. Hein. Ça part petite voiture, là. Petit avion, petit avion. Ça fait du piou-piou-piou, pardon. Là, on est sur du piou-piou-piou. Ils sont passés de 100 à 150. Bah ouais, ça fait beaucoup. Ouais, c'est énorme. Et oui, c'est énorme! Ok, ça va prendre le camp de vision. Ah, le camp de vision qui a été récupéré. C'est dommage. Et puis alors là, il s'en fout, lui. Hein. Lui se fait voir, il s'en bat les reins. Hein. Parti, il traverse. Hein. C'est vrai. Ça fait un peu rire, en vrai. Il traverse, il fait ouais, Balek. Bah ouais, Balek. Le petit avion. Oh, le dog est pris. Je ne savais pas que tu pouvais pré-scouter qui pop. Tu pouvais péter la scout parabole qui pop du camp de vision. Ah si, tu peux. Je te le confirme, tu peux. Tu lui enlèves son scout. Tu fais pas de son... Oh là là, il se met bien. Hein. Il se met très très bien. Hein. Et là, ce qui me fait peur, c'est quelle va être la suite de la game. Parce que là, je pense que Parting ne va pas retenter le même BO. Ça serait hilarant qu'il retente le même BO et que ça marche, hein, par contre. Ça serait vraiment... ça ferait mourir de rire. Et je ne pense pas qu'il va le faire. On peut essayer de jamais.
La bubule de ses morts. Ah bah la bubule de ses morts. Hein. La bubule de ses morts. Hein. J'étais en train de se mettre, mais moi comme un con. Ah ouais? Non, tu peux l'attaquer. Par contre, quand tu attaques un camp de vision, enfin le radar du camp de vision, c'est extrêmement long. C'est extrêmement long à tomber. Enfin, par rapport au fait de te poser. C'est très 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 long. Ok, donc là, playstyle qui va être orienté sur Hornet et Bio. Hornet Bio, why not, hein. Hornet Bio, c'est très fort si c'est bien fait. Le truc, c'est que je sais pas si Prob va vraiment... Enfin, par exemple, si Parting va vraiment faire des contres à tout ça. Ouais, ok. Bon, bah, let's go, hein. Let's go, hein. On y retourne, hein. Oh putain, quel enfer. Mais ça marche, ce burn? S'il regagne, je pars du principe que ça marche. 6 hein. minutes. 6 minutes le timing. Et avec une B3. Hein. Ok. Ok, ok, ok. Ils aiment pas, si, les animes. Non mais attends, il va pas regagner quand même. Là, le problème c'est les avions. Fais. C'est un peu. Il est un peu overkill là. Non mais. Non mais non. Oh non. Oh bordel. Oh le 2-0. Gigafort. Bon bah les petits imps explosifs là ça régale hein. Oh yo 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 yo. Bah écoutez personne n'est hypé par ce qui se passe là. Moi ça me hype hein. Bon. Ouais t'es là tu fais bon. 2-0 c'est quoi ça hein. C'est vraiment t'es là tu fais ouais ok violent. Écoutez on est parti pour la game suivante hein. Bien, troisième game. Parting. Contre Prob. Parting qui nous fait des dingueries. Parting qui s'en bat les couilles, qui a pas le temps. Ah là, en vrai, ça va pas passer trois fois. Du coup, Vene Vici, c'est Parting. Ouais, ouais, mais ça, je l'avais dit, je crois. Il me semblait l'avoir dit. Bah, je pensais l'avoir dit, ouais. Trop drôle, son pseudo. Son pseudo, il me fait mourir de rire. En fait, c'est réellement... C'est le... Je pense que c'est le pseudo qui symbolise le plus Parting. Parce que c'est vraiment un pseudo un peu troll. Et c'est sa personnalité. Et Parting c'est un mec trop drôle. Et c'est un giga troll. Donc. J'étais pas sûr. Ah ouais, j'étais pas sûr. Bah, je suis sûr depuis quelques jours. Donc. À devoir les demi-finales. Le truc, c'est qu'en fait, en demi-finale, ce qu'on se rend pas compte, en fait, c'est que Parting est réellement très, très au-dessus de tout le monde. Mais si, ça va passer. Bref, nous avons en bas à gauche Parting qui apparaît en Infernal bleu, qui aime bien les petits push à 6 minutes. Et Prob qui apparaît en haut à droite, en Vanguard rouge. Vraiment, j'ai noté le timing. Le timing, c'est 6 minutes, tu pars. 6 minutes, tu pars de chez toi et t'es parti pour la zinzinerie et pour dégommer. Est-ce qu'il va le refaire? Je l'espère. J'espère bien qu'il va le refaire. Parce que on s'en lasse pas. On s'en lasse pas. C'est une folie ce qu'il fait. Hein. C'est une folie, mais ça me plaît bien. C'est une folie, mais ça me plaît bien. Ça correspond assez bien à son playstyle, Vene Vidi Vici. Je sais pas en quoi ça correspond à Vene Vidi Vici. Hein. Vene Vici, Vene Vidi Vici. Bon, bref, ça signifie je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, c'est ça? Est-ce que quand on faisait. C'est César qui disait ça. Est-ce que César il trollait quand il disait ça? Je sais pas. En tout cas, ça ressemble au même BO pour l'instant. 3 workers. Et non, il transfère après. Je suis venu, j'ai vu. Ok, ok. Ok, je vois ce que tu veux dire. Mais il est cool, hein. Il est vraiment fort. Hein. C'est vraiment agréable de le voir. Vraiment, Parting, c'est toujours un plaisir de le voir jouer. Hein.
Vraiment, n'importe quel jeu auquel il joue, putain, c'est, ça fait du bien, quoi. Je suis désolé de vous le dire, mais je crois qu'il fait la même chose. Hein. Je crois qu'il fait la même chose. Mais son playstyle, j'arrive pas à comprendre comment il le fait. J'ai l'impression qu'en fait, il met 7 workers sur son gaz, son Therium. Il prend sa B3. Le timing est à, je sais que le timing est à 6 minutes. C'est 6 minutes le timing. Timing où il sort. Ouais, mais c'est le même BO. Il met 10. Faut vraiment analyser en détail sa strat. Hein. Il y a plein de choses à analyser parce que sa répartition du Therium est bizarre. Voilà. Il y a des petits trucs un peu bizarres dans ce qu'il fait. Donc ça, faut analyser. Ah oui, ça a pas l'air super dur à faire. C'est pas forcément dur. C'est pas parce que, en fait, ça a pas l'air dur, mais la gestion des imps explosifs est un peu bordélique, en vrai. Et ce qui me fait peur, c'est plutôt que, tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, il sature d'abord la luminite, ensuite il met tout au Therium, tout simplement. Mais je suis pas sûr. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est, enfin, on va regarder, mais tout à l'heure, il est sorti de chez lui à 6 minutes parting. Est-ce qu'il ressort à 6 minutes pile? Peut-être. Et j'ai l'impression que son BO est timé à la seconde. Hein. Il s'arrête une seconde pour activer. Ça, je trouve pas ça ouf. Pas compris. Ah, la bulle. Il a claqué la bulle. Hein. C'est cool. Hein. C'est cool pour lui. Hein. Il s'arrête une seconde pour s'activer. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, il y a un petit move bizarre. Bon, en tout cas... les fiennes, là. Les fiennes qui viennent de choper... 5 workers. L'enfer. Là, les gars, là, le pire, c'est que là, dans 1 minute 30, il réattaque. Hein. Si il attaque et qu'il lui met la même chose, on change de BO. Hein. Il a trouvé la parade au drop avec un seul Hornet. Ouais, bah la bubule. Mais il refait la même chose, hein. Là, c'est la même chose, hein. C'est le même BO, hein. C'est exactement le même BO, les gars. Putain, quel enfer. Bon, bah... Est-ce que vraiment un BO peut marcher 3 fois? Est-ce que vraiment tu peux... Est-ce que vraiment ça marche 3 fois? Vraiment, posons-nous la question. Je ne sais pas si ça marche 3 fois. Je sais pas. J'ai peur qu'il va pas le refaire, il va pas réoser le faire quand même. Les workers sont pas encore partis. Vous avez vu celui qui host la game, pareil, il dit attends, est-ce que ça va partir? Il y va ou pas? C'est à peu près là. Là, dans 2 minutes. Dans 2 secondes. Par là, il va sortir. S'il le fait, c'est là. Il peut... Oh, putain. Oh, putain. Oh, le dégénéré. Oh, putain, le dégénéré, quoi. Non, mais là, il y a du Vulcan, là. Là, il y a du Vulcan. C'est fini, ça passe plus. Je veux pas croire que ça passe encore. Ça ne passe pas 3 fois. Ça ne peut pas passer 3 fois. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher pour moi. C'est impossible. Là, si ça marche, les unités sont... C'est espacé et tout. C'est trop dur de faire du bon dégât de zone. Le Vulcan... Qu'est-ce que tu veux faire? Ok, let's go. Ouais, là, vous voyez, c'est compliqué. Hein. L'Atlas... Ouais, ok, mais l'Atlas, tu fais quoi? Ah là ça passe pas hein. Ah là ça passe pas du tout hein. Ouais. Bah il y a 2 Vulcans là donc ouais bah, c'est fini hein. Ok bah c'était moins fort. Ah, je me doutais bien que ça allait pas passer 3 fois. Le problème c'est que là par team il a sacrifié du worker hein, pour faire ça. Ça lui a coûté cher ça en worker hein. Et ça c'est pas très drôle. Et je sais pas pourquoi j'ai pris un accent.
un peu chaud. Hein. Bah écoutez, le Vulcan a tenu. Hein. Mais non, attendez, c'est pas la game n'est pas finie. Hein. Je suppose qu'il sait quoi faire derrière. J'espère. Les Vulcans, ils font mal. Hein. Les Vulcans, ils font très mal. Hein. C'est l'accent de la fatigue, on va dire. Ouais, l'accent de la fatigue. C'est Walker peut-être un moqueur. Mais je pense qu'en fait, il avait pas du tout anticipé qu'il y avait un Atlas. En fait, à 6 minutes, un Atlas, c'est très improbable. Et je pense que c'est un BO qui est giga fort en ladder, mais qui, du coup, en tournoi, bah, il va perdre en puissance. Après, est-ce que le bon parting a d'autres cordes à son arc? Et là, je l'espère pour lui. Clairement, je l'espère pour lui parce que là, c'est bien, hein, mais il manque de trois choses. Et surtout, en fait, j'ai peur pour son économie parce que ça lui a coûté cher. Hein. Et là, c'est très très bien ce que fait Prob. Il va mettre une pression avec les pupiou là. Il en perd deux là, il perd les deux. Hein. Oh, l'erreur! C'est dommage. Un peu dommage. Un petit peu dommage. Là, ce qui serait très drôle, c'est que Parting il fasse des imps. Voilà. Ça marche, ça? Oh, c'était nul, hein? Ah oui, mais oui, il a eu sa défense. Et ben, c'était pas ouf. J'ai l'impression qu'il va s'amuser, hein. Non, mais là, les Vulcans, faut faire un truc, hein. Les Vulcans, je vois pas trop ce qu'il peut faire, mis à part Elborn ou des trucs comme ça. Ou à la limite, le Weaver, why not? Mais je vois pas trop ce qu'il peut faire d'autre. Et il réactif, hein, problème. Vous voyez, c'est des trades qui sont pas géniaux, en fait. Oh, il est en full fun. Ah oui, par contre, il est à l'aise, hein, la partie, il s'amuse, hein. Oui, c'est des trucs en direct. Ah oui, Parting, il rigole, hein. Là, c'est le zoo chez Parting, hein. Et il a l'occasion de jouer contre un adversaire qui est fort et pouvoir troller. Let's go. Hein. Let's go. Et puis t'as raison. Hein. Il a clairement raison. Bien. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Là, quand même, faut bien imaginer un truc. Hein. Prob, il est enfermé, mais fort. Hein. Ça fait peur. Hein. La situation de Prob, elle fait un peu peur. Hein. Il a mis 40 tourelles pour se défendre. Ok, let's go, on y va pas. Tentative de pression. Mais là, franchement, tu passes pas. C'est impossible qu'il passe avec ce qu'il a. Il faut absolument qu'il fasse d'autres unités là. Hein. Il manque des choses. Hein. Alors les guns sont très très bien par contre pour arrêter tout ce qui est pression Hornet. C'est vrai que les pressions Hornet, il s'en est pas pris tant que ça dans ce game comparé au game qu'il avait pu faire auparavant. Là, il s'en prend pas tant que ça. Hein. Est-ce qu'il va tenter un push? Ça serait très drôle qu'il tente un push. Petite pression ou pas? Est-ce qu'on va mettre une petite pression? Voilà, ça passe pas. Hein. Y'a rien qui passe. Hein. Y'a rien qui passe. Ok, on va prendre le camp de ressources. Par contre, les Vulcans, ça commence à... Hein? À, comment dire, à être une plaie. Ok, on se soigne. On va voir un peu sur quoi ça part. Derrière. Je pense que là, il est en mode full Gandalf, le bon Prob. Prob, ouais, mais alors, Gandalf, le problème c'est que vous ne passerez pas, au bout d'un moment ça rentre. Hein. Cela dit, la dose de... Ouh, la dose de petit avion, là, les Hornets, là. Là, le Hellbound, c'est une bonne solution, sauf que là, il a... Non, il le tient. Oh, le bâtard. Là, il faut les péter. Et je pense que là, à part le Shadow Flyer, et ou alors... Ou alors la solution de faire 80 gaunt, c'est compliqué. Ok, la base, on va voir s'il arrive à la prendre. Non, il faut pas y aller, voilà, c'est un peu chaud. Il y a les Vanguard, putain, les Atlas, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ouais, 8 Atlas. 8 Atlas, hein. 8 Atlas, tu passes pas. Enfin, moi, je passe pas. Non, non. Par contre, cette base, elle peut sauter. Hein.
Là, c'est très smart ce qu'il fait, Partimi. C'est qu'il sacrifie de l'armée, certes, mais il va tenter de prendre cette base. Sauf que, bon, malheureusement, on prend Beidou, c'est très intelligent, et puis... Et il est en train de faire de la Gatling, hein. Voilà, du petit Vulcan à la Gatling. Atlas ou Vulcan? J'ai dit Atlas au lieu de Vulcan? J'ai dit Atlas? C'est du Vulcan. C'est complètement du Vulcan. Ma voix est en roue libre. On en est à 6 heures de live. Et encore, tout à l'heure, j'avais fait déjà 1 heure de live. On en est à 7h30 de live, techniquement. Petite pression. Mais là, ouais, là il lui manque Weaver ou Hellborn. Ça serait très drôle qu'il vienne et que là, il fasse un mass imp et puis qu'il... Oh, putain. Wouah, ça sort d'où, ça? C'est giga solide ce que fait Partim. Hein. Et là, l'attaque qui arrive, elle est énervée. Hein. Et il micro très bien, il micro très très bien, il micro hyper bien. Ok. Le Hellborn, est-ce qu'il est suffisant? Normalement, oui. Hein. Normalement, les Hellborn sont suffisants. Sauf qu'il faut arriver à les... Ah, pas qu'il crève. Il y a beaucoup d'ornettes. Les ornettes, elles se régalent. On va choper la base, la 4. La troisième base officielle, elle tombe, oui, et je pense qu'on va se prendre une grosse pression derrière, parce que là, mine de rien, il a perdu le bon. Oh, bien joué le bout de la tour. Je veux dire, Parting, il y a perdu, mais là en fait il est pas attentif, probe, et du coup bam, la tour qui s'active, on il a plus de vision que j'ai de partie et de sur ce jeu. Mais ça, ouais, ça, oui, en plus, oui. Et les Vulcans, faut les péter au bout d'un moment. Et c'est là, c'est ce qui me fait peur. Ah, le Vulcan a pété. Surtout avec du I et tout. Hein. Mais vous allez vous rendre compte que le Hellborn, c'est peut-être la solution. Sûrement. Là, il essaie de faire contacter ses Shadow Flyers avec les unités aériennes. Mais c'est giga chaud. Oh, allez, hop. Ouais, c'est nul. C'est nul. C'est pas foufou, quoi. Ok. Il le repousse. Est-ce qu'il a moyen? Un petit coup de magma, non, peut-être. Magma dense. Non, il a oublié la magma dense. Dommage. La magma dense, mais il la fait pas. Ah là 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 là. Allez, Parting. Parting, il faut. Alors, Parting, il est très 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 bien. Hein. Il est quand même sur 1, 2, 3, 4. Alors, 1. Il est quand même sur 6 bases contre 4. Hein. Donc normalement c'est pas mal. Oh, les imps. C'est pas mal. C'est pas si mal. Hop là, le petit healer hein, qui dégage. Là, c'est pas si mal. Les Hellborn devraient pouvoir taper l'aérien. Bah de toute façon, je pense qu'il devrait y avoir une autre unité qui tape l'aérien. Mais que ce soit chez nous ou chez les Vanguard, hein. Ouais, là par contre c'est chaud, hein. Là ça rentre fort, hein. Il faut vraiment faire de l'entière. Ouais, là les Hornets, c'est chaud. Il se prend un sandwich. Cela dit, le sandwich il est pas catastrophique. Je pense que je l'accepterai, moi, à sa place. Voilà, voilà, tu l'acceptes et tu vas au un grand coup de mango. Mais en plus il y a un giga focus des healers. Il focus les healers et tout, enfin les healers, les aériens. Il focus les Shadow Flyer, je sais même pas comment il fait pour focus les Shadow Flyer. Vulcan a plus de portée que les tours. Oui, le Vulcan il a maintenant 8 de portée. Ne me demande pas pourquoi. Parce que c'est magique. Bon. La game se pose un peu, mais j'ai l'impression que Parting se fait quand même allumer. Hein. Petit à petit, la Parting est en train de se faire grignoter. Faut qu'il fasse attention, le style Hornet est vraiment un style bon, pénible, mais surtout un style que lui il a peut-être un peu de mal à gérer, je sais pas. Je comprends pas trop qu'il ait autant de mal alors que. Pour moi il a les éléments pour l'arrêter. Hein. Les Hornet, c'est le régal. Hein. S'il gagne, c'est vraiment grâce à ça. Ok. Le dragon. Le petit dragon, alors autant dragon c'est trop fort, autant il faut quand même choper l'entière. Il y a énormément. Là faudrait qu'il chope les avions. Il faut vraiment viser les avions, mon gars. Avec ton dragon. Le dragon il va crever. Et bah écoutez, c'est le GG.
Et c'est une victoire de probe, de parting, qui met un énorme 3-0 à son adversaire dans ce BO5. Écoutez, GG à lui.